Le groupe n'est pas atteint, n'est pas affecté. On vit une période difficile, encore une fois, parce que, bon, au niveau des résultats, mais aussi parce que dans le vestiaire, il manque beaucoup de monde. Et donc, forcément, les joueurs en sont conscients aussi, hein. Mais ça continue à travailler sérieusement, hein, essayer de donner le meilleur. Voilà. À partir du moment où mathématiquement on est toujours dans le coup, c'est encourageant pour la suite. Mais voilà, il faut aussi des résultats. Je pense que l'amélioration des contenus par rapport à nos premiers matchs de reprise fait qu'aujourd'hui, on se dit, on a peut-être, en cas de récupération de joueurs blessés, la possibilité, encore cette possibilité de se maintenir. Et puis, tant qu'il y a de l'espoir, ben, on va s'accrocher. Je pense qu'il va falloir être très solide, avoir en tête le match de Monaco, ça c'est certain, parce que je pense que c'est un adversaire de ce calibre-là. Et que dès l'entame de, dès le coup d'envoi, il va falloir être prêt à montrer les griffes et à faire en sorte d'être le plus solide possible dans un premier temps. Voilà. On essaie de passer à autre chose le plus vite possible parce que les matchs s'enchaînent. Mais c'est une défaite qui laisse quand même une trace parce que voilà, il y avait un bon coup à faire. Ça fait mal au moral. Même si on était préparé à cette situation, on savait que ça allait être difficile forcément. Mais quand les situations s'enchaînent comme ça fait mal. Surtout que des fois, ce sont des adversaires qui sont à notre portée. Voilà, vu souvent la physionomie du match, donc forcément ça fait mal. Ouais. Dans notre situation, tous les matchs sont âpres, sont difficiles. Et on sait que Nice, c'est une grosse équipe. Ça fait un bon moment qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Donc forcément, on s'attend à un match très très difficile. Et voilà, on se voit se préparer en conséquence et essayer de ramener quelque chose de ce déplacement.